Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne Mafrica TV. Merci de votre fidélité. Nous sommes cette fois-ci décidés d'aller rencontrer un monsieur qui roule bien sa bosse dans la culture camerounaise, je vous l'ai dit. Lui, il est engagé dans le style reggae, voire du hip-hop. Lui, c'est bien sûr Charim, le monde Cameroun. Suivez-nous à l'intérieur. On est chez Charim, le chat. Oh, Yaman. Voilà, nous sommes chez Charim, devant le studio Roof Radio. Merci. L'essentiel, on est bien sûr à Roof Radio, vous comprenez, ça tourne bien à l'intérieur. Nous sommes bien sûr avec Mon Cameroun et il a décidé de nous inviter dans son magnifique studio. Ici, c'est Roof Radio. Bienvenue à l'endroit où vous devez être. Nous sommes avec Charim. Charim, bon après-midi. Bonsoir Achille. Bienvenue dans le studio de l'heure, Roof Radio, la radio qu'on ne présente plus. Yes. Bienvenue encore à toute l'équipe. On est ravis déjà parce que à l'entrée, bien que nous soyons rendus à la 25e journée de ce mois de mai, derrière la célébration de la commémoration de Bob Marley, on reste toujours dans le reggae. Qu'est-ce qui explique cela? C'est trop d'amour, c'est quoi? En fait, le reggae pour moi, c'est une passion. C'est une passion d'abord parce que j'ai été passionné de reggae depuis ma tendre enfance. Mon papa, il écoutait beaucoup le reggae. Donc du coup, ça m'a bercé pendant ma tendre enfance. Du coup, c'est devenu une passion pour moi. Le reggae, c'est une passion. Donc on dirait que le reggae, c'est, ça coule dans les veines. C'est dans les gènes, en effet. Voilà, on est aujourd'hui, on ne dit plus Charim. On était habitué à dire chat, le chat, le chat. Désormais, c'est Mon Cameroun. Mon Cameroun, parce que ça revient toujours à Charim. Mon Cameroun, Charim. Ah, waouh. Beaucoup de gens pensent que quand on dit le char, c'est peut-être l'animal. Non, c'est le char, comme le char de Dieu. Waouh. Qui est le Mont Cameroun. D'où vient ce nom? Donc, le nom vient du Mont Cameroun. On comprend que ça vient de là. Bon, en fait, Charim, c'est un char, comme le char de Dieu. Oui. Donc du coup, je peux m'assimiler au Mont Cameroun, qui est un patrimoine qui me représente. Justement. Voilà, justement, donc c'est comme ça. Bon, le rime qui accompagne ça, on comprend le chat. Dans ça, il y a un rime. La rime qui va avec la musique. Voilà, qui est une technique d'écriture lyrique, de prose musicale. Donc la rime, c'est un terme musical. Justement. Le char de la rime. Ouais. Voilà, c'est ça. Bon, aujourd'hui, une référence au Cameroun en termes de musique, que ce soit hip-hop, que ce soit du reggae. Comment parvenir à allier ces deux parties? Comment gérer ces deux registres qui ne sont pas les mêmes? Je veux dire qu'à la base, beaucoup de gens l'ignorent, mais le rap est une musique qui est née du reggae. Bon. Du ska, parce que le reggae lui-même est né d'une musique qui est le ska. Donc le rap, c'est un dérivé. C'est une discipline. Justement, c'est une discipline qui naît du reggae, parce que comme la pop musique, comme la funk, comme il y a plusieurs dérivés du reggae. J'ai pu vous rassurer parce que c'était l'une de mes éditions que j'ai participé à fond. Ça veut dire vivre l'événement du début jusqu'à la fin. Cette année, contrairement aux autres années, j'ai envie de dire que c'est du feu. Par la grâce de Dieu surtout, il faut le préciser, parce que moi-même je ne m'attendais pas à qu'il y ait une aussi grande affluence, mais par la grâce de Dieu, le public a répondu présent et je les invite l'année prochaine parce que ce sera encore plus grandiose. Voilà, justement, donc on se prépare, on ne va pas attendre à la fin, à la dernière minute pour organiser les choses. Donc on prend toute une année pour organiser ce mouvement, ça devient un concept qui est bientôt culte. En fait, un truc qui est en train de connaître sa perfection au fur et à mesure, en train de se bonifier comme un bon vin bordelais. On se demande alors, avoir le lieu, avoir le prix d'entrée, on se dit que ce n'est pas la taille de Charim.
le truc, l'idée ici, c'est de permettre un maximum de personnes de découvrir le mouvement, parce que l'important n'est pas de gagner tout de suite, parce que nous sommes en train de mûrir, nous sommes en train de mieux organiser les choses, et plus tard, je pense que ce sera vraiment un lieu classe, un lieu qui pourra accueillir des invités de marque, et pour ça, on pourra vraiment faire du business. On se pose la question de savoir, est-ce que ce cadre n'est pas assez restreint ou encore très réduit pour le nombre de personnes qui puissent être là? Parce qu'il y a des personnes qui sont parties avant pour que d'autres puissent également s'installer. Voilà. Est-ce que le cadre n'est pas petit? Non, l'importance pour nous, au départ, c'était d'avoir un lieu, on n'avait pas assez de moyens. Donc on a eu, par la grâce de Dieu, on a eu un monsieur qui est monsieur Donlin qui a eu la gentillesse de nous offrir ce cadre. Déjà, avec les petits moyens que nous avions, nous avons pu mettre en place un concept. Et par la grâce de Dieu, surtout, encore je dis, encore je précise, on pourra s'améliorer prochainement. On pourra mieux s'améliorer. Donc ça voudrait dire qu'on pourrait se déporter du Carrefour Pasteur pour un autre lieu, notre site. Justement. Ça dépend, parce qu'après, il faut pouvoir contenir la population, le public qui se ramène. Et il faudrait aussi comprendre, je ne sais pas, est-ce que dans les prochaines éditions, il sera question d'essayer en même temps d'aller vers les sponsors, les partenaires, voire même de tête dure de la chose. Parce que j'ai remarqué, pour toute ma vérité, j'ai vu la présence d'un monsieur de Bali, bien influent de ce côté, un monsieur du mouvement. Je ne sais pas si c'est important que tu prononces son nom ou que tu précises. Non, mais il n'y a rien à cacher dans le reggae. Bon, on va saluer monsieur Kiki Elanet, qui est de la partie. Ça nous a fait chaud au cœur, effectivement. Ça a montré un peu le côté sérieux, le côté grand de la chose. En fait, je tiens à rappeler que c'est un véritable fan de reggae. D'abord, il nous a toujours soutenus. Ça fait la 4e édition pour cette année qui est passée. Donc, c'est un monsieur qui nous a toujours soutenus. Merci encore, nous tendons encore cette main pour le saluer, parce que c'est un partenaire très très important. Alors big up monsieur Kiki Elanet. Voilà. Jusqu'ici, nous sommes ceux qui a marché. Qu'est-ce qui n'a pas marché ce 11-là? En même temps, c'est vrai, on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu des petits inconvénients, mais bon, il y en a toujours. Mais je pense qu'on a su mieux les contenir cette fois. Donc du coup, je pense que tout a bien marché à 96%. Bon, pour nous les fans, on va dire que c'était à 100%. Voilà, justement. Maintenant, je suis en train de vouloir chercher ce qui n'est pas trop ça. Charim, juste tombé sur l'une de tes publications. C'était dans le sillage de la musique, mais qui n'était pas forcément du reggae. Il était question des mouvements hip-hop que certainement d'autres t'ont piqué. C'était un événement que tu es en train de préparer, où tu avais commencé. On l'a fait sans t'aviser, sans te dire, voilà le concept que tu as apporté, nous sommes en train de vouloir faire ça plus grand quelque part. Et tu m'as rassuré que ça ne devait pas se passer comme ça. Il s'agissait de quoi? En fait, c'était un concept qui est le bloc party. Voilà, qui est un concept que j'ai défendu avec Radio Route pendant une très bonne période. Et ça m'a dérangé personnellement que des sponsors, des représentants du hip-hop arrive de l'extérieur, et que nous qui sommes sur le terrain, qui faisons qui nous sacrifions pour créer des concepts qui valorisent le hip-hop et qui ne se rapprochent pas vers nous, et qui vont vers des gens qui ne sont pas certes forcément des acteurs de ce mouvement à fond. Et c'est ça qui m'a un peu dérangé, c'est pourquoi la publication. Et Dieu merci, il y a deux de ces acteurs de l'étranger qui m'ont approché, qui ont cherché à comprendre de quoi il s'agissait. Et je pense qu'on a été assez clair à ce sujet. Et je pense que nous sommes dorénavant en bon terme. Vous êtes en bon terme. Ça voudrait dire que la soirée s'est bien passée. Je ne sais pas si c'est en train la de... Soirée, c'est en vue la ou c'est soirée en passé. En elle-même a été reportée. Reportée. A été reportée justement pour mieux organiser les choses. Pour mieux organiser. Ensemble avec les partenaires, justement. Avec les têtes dues de la les chose. Les vrais acteurs. Voilà, c'est ça qu'il s'agit. Donc, par la grâce de Dieu, d'ici peu, on va relancer le concept. Voilà. Radio Route, ça fait combien d'années que ça existe? Radio Route, aujourd'hui, ça fait plus de 10 ans que ça existe, parce que c'est un projet qui... a longtemps
je veux dire, a longtemps fermenté, ou je veux dire, a longtemps pris sa maturité dans les machines. Mmh. Et par la grâce de Dieu aujourd'hui, avec l'apport des réseaux sociaux, nous pouvons s'étendre, même si nous n'avons pas les moyens, de véritablement faire une chaîne de radio physique. Donc pour le moment, nous évoluons virtuellement sur les réseaux sociaux. Et nous nous battons pour donner le meilleur de nous en ce qui concerne le web média, l'événementiel, les studios sont comme vous voyez là. Mmh. Voilà, et tout ce qui est produit communicationnel, sonorisation, l'infographie. Et nous formons aussi, en même temps nous formons, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont passés par les locaux de Radio Route et qui sont des professionnels de la production audiovisuelle aujourd'hui au Cameroun. Mm-hmm. Je ne vais pas citer tous les noms, mais ils se reconnaîtront. Mm-hmm. On se pose la question, oui, ça, c'est tout le temps, on voit les lives sur Facebook. Je veux savoir, est-ce que c'est Charim, le fondateur de la Radio Route, ou il est cofondateur? La Radio Route se limite essentiellement au Cameroun, où il y a des partenaires extérieurs. Voilà. Il y a des partenaires, parce que Radio Route, qui signifie Radio Racine, ouais, est une radio qui est véritablement enracinée de part du monde. Mm-hmm. Et Radio Route, Radio Free, mm-hmm, qui est un département qui existe au Cameroun, mm-hmm, justement, que je représente en tant que fondateur, pas co-fondateur. Mm-hmm. Donc c'est une radio autant pour moi qui exerce et qui, à travers ses petites activités, a déjà pris du terrain. Mm-hmm. Et pour moi, je pense que nous sommes véritablement étendus sur les réseaux sociaux. Et beaucoup de gens sont abonnés, beaucoup de gens parlent. Et voilà, nous continuons nos activités. Je salue le travail qui est fait tous les jours. Je salue l'engagement, je salue tous ceux qui accompagnent le projet. Je salue tous les artistes qui donnent de leur temps afin que vous réalisiez des émissions. Maintenant, Charim, est-ce que tu ne vois pas que dans ce que vous faites, le fond est là, mais la forme n'y est pas? Parce qu'on a souci de son quelquefois, on a qualité d'image qui n'est pas ça dans les lives. Est-ce que tu ne penses pas qu'il faudrait trouver des moyens de réalisation mieux que ce que nous voyons? Justement, c'est pour ça que nous avons besoin de partenaires comme vous. Par exemple, MyAfrica TV. Nous avons besoin de partenaires comme vous parce qu'une seule main, comme on a dit, généralement dans notre jargon, on ne peut pas attacher un mais. Hein. Mm-hmm. Donc on a besoin de partenaires comme vous pour, rendre encore plus personnel le travail que vous faites, parce que, sans te mentir, nous nous battons avec les moyens de mort. Mm-hmm. Donc du coup, on a la volonté de faire. C'est pour ça qu'on n'hésite pas, avec les moyens de bord, à créer de l'activité. Mais ça n'annule pas qu'on a besoin de partenaires comme vous, justement, pour encore mieux professionnaliser la chose. Aujourd'hui, Charim, artiste connu, en même temps un arrangeur en paix. Charim, on peut compter déjà combien de succès passés par les studios de Rouvre Radio, musicalement parlant? Les succès sont nombreux. Pourquoi? Parce que, étant formateur, j'ai formé des gars qui ont fait des succès. Mmh. Moi-même, j'ai fait des succès. Justement. Donc, les succès sont nombreux et je ne saurais complètement les énumérer. Voilà. Ah, ok. Bon. Je vais prendre l'exemple, par exemple, de Prolet la Petite, que tout le monde écoute, qui est un produit qui sort d'un studio où le propriétaire est. Avec qui j'ai travaillé, avec qui je formule. Non, ça ne se discute pas, les faits, ça ne se discute pas. Comment je vais citer, encore un autre tube, un autre tube qui a vraiment marché dans le hip-hop, qui est Kilamel, avec son album qui a été travaillé à 80% par les locaux Dance Floor Music qui représentent Radio Route. Il y a souvent des revendications, j'ai vu quelques revendications en effet, par rapport à d'autres personnes qui auraient réussi avec tous vos moyens que vous avez mis en jeu et qui aujourd'hui ne pense pas à vous. C'était lors d'une discussion avec Ziam dans un groupe qui s'est joué au Gabon, je ne sais pas, et qui aujourd'hui, d'autres sont en train d'évoluer dans le rap, d'autres sont en train d'évoluer dans l'église réveillée, et Ziam dans le dépannage et autres management. Bon, c'est ça le souci au Cameroun, personne ne l'ignore, je pense que c'est le réel souci qu'on a au Cameroun, que ce soit dans tous les domaines d'activité. Il y a un souci, c'est quoi? C'est qu'il n'y a pas assez de collaboration. Mm-hmm.
il n'y a pas assez de collaboration. Et du coup, ça fait que s'il n'y a pas collaboration, il n'y a pas harmonie, il n'y a pas... Donc ceux qui sont, je veux dire, ceux qui sont des vrons, qui ont pu réussir, qui ont pu percer, ne tendent pas la main justement à ceux qui sont en herbe et qui aimeraient avoir une carrière comme eux. Ou un peu, c'est ça qui s'agit. Donc c'est narcissique, c'est égoïsme. Par exemple, dans le hip-hop aux États-Unis, ils sont nombreux des jeunes artistes qui ont percé, qui créent leur propre label et qui produisent par la suite d'autres artistes. Mais chez nous, on ne voit pas ça. Tu ne vas pas voir un artiste, je vais prendre l'exemple, je ne vais pas citer leur nom parce que ça peut être polémique. Et chez vous, ça tire à barrière. Voilà, justement. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Il est important qu'on ait plus de collaboration que vraiment des artistes qui ont percé et vraiment, comment je vais dire ça, de l'amour pour leur prochain qui se lance dans la musique comme eux et qui aimerait avoir une carrière assez fournie. Voilà. Chez nous, l'émission c'est Ranka. L'émission dans laquelle on est en train de passer à présent, l'émission dans laquelle on est en train de passer, c'est Ranka. Chez nous, c'est Frais. Donc, vous partez du tarot, on tombe sur le maïs, on part du maïs, on revient encore sur le tarot, donc c'est un peu comme ça. Maintenant, Charim, Roule Radio, comment on fait pour intégrer Roule Radio? Déjà, comme je l'ai dit tout à l'heure, Roule Radio, c'est tant sur les réseaux sociaux. Donc, pour le moment, nous avons une page Facebook, Radio Roule Radio Free, et nous avons un forum sur WhatsApp, où nous sommes en connexion avec pas mal d'artistes. Voilà, et nous avons aussi une page sur YouTube. Voilà, donc toutes ces pages, vous tapez juste Radio Roule Radio Free, et vous êtes directement en contact avec nous. Vous êtes connecté. Connecté. Bon, YouTube, Facebook, tout cela, est-ce que les pages sont sponsorisées? Généralement, nous prenons la peine de les faire. Pourquoi? Parce que c'est important pour nous que tout ce qu'on on publie comme activité soit quand même à une certaine hauteur de vue. Donc, du coup, nous n'aurons pas le choix que de sponsoriser les projets que nous faisons. Voilà. Aujourd'hui, on a également les têtes du rap, que ce soit du reggae. Ici, dans Littoral, tu vas saluer la force de qui t'accompagne, par exemple? Voilà, je vais saluer, par exemple, Ziam, qui est un partenaire. Je vais saluer ma main Choisi MC, qui sont des partenaires avec qui on bosse depuis un bon bout. Je vais saluer ma main Indépendant B, qui est un nouveau partenaire qui est vraiment, vraiment à la tâche. Je vais saluer Mamadi, qui sont comme en même temps des artistes avec qui je travaille et qui m'accompagnent. Je vais saluer par exemple Monsieur Douanla, qui est le monsieur qui nous a offert le site pour le Remember Bob. En fait, il nous offre le site chaque année pour se remémorer pour aucun franc. Quelle sobriété, mon Dieu, quelle sobriété, c'est de ça qu'il s'agit. Il faut comprendre que c'est un partenaire à féliciter. Et rappelons que durant toute l'année, l'effigie de Radio Roof reste toujours là. Voilà. Parce que je me souviens, il y a eu l'anniversaire qu'on a géré là-bas, il y avait Radio Roof. Voilà, justement, c'est une salle qui nous est acquise. Voilà, c'est une salle qui nous est offerte. Donc, on peut la transformer, la manipuler à notre guise. Et pour ça, je tiens encore un coup de chapeau à ces messieurs. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'activités qui arrivent, qui seront, comment je vais dire, présentées dans cette somptueuse salle. Voilà. Et c'est comme ça. Donc, je tiens encore à féliciter tous mes partenaires, tous ceux qui vraiment m'apportent le soutien qu'il faut pour que Radio Route se démarque à son aise. Radio Route, arrangeur. Est-ce que tu vis essentiellement de là ou à côté de cela, tu fais le Benskin, tu vas au marché, ça ne sait pas trop. Est-ce que tu vis essentiellement du showbiz, du micro? Certes, ce n'est pas facile, mais je peux vous rassurer que je vis essentiellement de l'art et de la musique parce que j'ai pu m'investir dans ce domaine et du coup, je ne peux que recevoir en retour des bénédictions pour comme ça pouvoir entretenir mes partenaires, le matériel, mes enfants, tout ça. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est pas faux. La vie au Cameroun n'étant pas facile, j'ai essayé de faire des petits jobs qui n'ont pas beaucoup réussi. Voilà, qui n'ont pas beaucoup réussi. Du coup, je me suis concentré. J'ai tenu à me concentrer sur tous ces projets que j'ai sous la main.
parce que c'est des énormes projets comme ça qui me demandent assez de temps, assez d'investissement. Et ce n'est vraiment pas évident de regarder à côté après. Voilà. Et aujourd'hui, tu peux te dire, je me suis trompé en me lançant dans notre activité parce que cela m'a permis de me concentrer. J'étais dans une grosse industrie, j'ai carrément oublié et je suis allé aussi tester parce que la vie n'était pas encore, j'étais pas encore bien calé. Aujourd'hui, tu es prêt. Bon, jusqu'au bout, si je veux dire, ça veut dire que si je me place là, je propose un boulot, un job à Charim pour lui donner par exemple 200 000, 250 000, il va refuser parce qu'il est concentré dans ses activités essentiellement musicales. Oui, parce que mes activités, autant pour moi, sont aussi des activités qui peuvent produire à une certaine échelle, donc qui ne sont pas négligées. Mmh. Et en même temps, je vis ma passion. Mmh. Donc tu vois que ça ne peut qu'être... Ça me mêle des choses, oui, voilà, une bénédiction en même temps. Voilà, en même temps, donc, que d'être dans sa passion et de pouvoir gagner sa vie en même temps. Mmh. Alors, le studio existe depuis combien de temps, le studio? Le studio, lui, est là depuis une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années, on a commencé, on est parti au plus bas de l'échelle pour arriver au petit standard que vous pouvez voir là. C'est vrai que ce n'est pas encore... Ah, la taille qu'on s'attend. Ce n'est pas un studio à la hauteur des grands studios professionnels que nous connaissons, mais nous nous mettons à la tâche, nous sur la tâche justement pour pouvoir apporter un certain résultat au niveau des rendus. Est-ce qu'on peut faire un son dans ce studio à l'échelle internationale? Bien sûr, il y a des chansons qui sont sorties déjà, je t'ai dit, il y a des projets qui sont sortis, qui sont sur toutes les plateformes de téléchargement. Voilà, donc ça va passer d'ici début jusqu'à la fin. Parce que nous faisons tant à la programmation, les enregistrements, le mixage, le master, complet, nous avons produit. Super. Quels sont nos projets dans un an? Bon, voilà, comme je disais tantôt, le projet d'abord qui me tient le plus au cœur, c'est que la radio route devient physique. Donc, nous avons déjà un studio, par la grâce de Dieu, on peut avoir un émetteur, une antenne, une licence pour pouvoir émettre librement. Donc c'est ça le plus gros projet de la maison. Mais sinon, nous avons des artistes que nous avons signés et que nous allons bientôt proposer des singles au public. Nous avons souvent tendance à voir des artistes qui deviennent présentateurs chez vous. Est-ce qu'il y a un style de présentateur dédié juste pour le reggae ou pour le hip-hop? Est-ce qu'un présentateur ordinaire ne peut pas se... Je pense que le reggae, c'est une musique ouverte. Ouverte. Donc, nous avons justement besoin des gars compétents, des personnes compétentes pour assurer dans tous les cadres de métier, dans tous les domaines. Donc, si nous avons un présentateur sur la main qui soit frais, pourquoi pas? Nous ne sélectionnons pas des présentateurs par rapport à ce qu'on présente comme événement, mais on choisit un présentateur parce qu'il est à la hauteur de l'événement. Aujourd'hui, la femme dans le showbiz, la femme dans le reggae, la femme dans le rap, la femme dans le hip-hop, on se dit la femme qui fait dans ça est une pute parce qu'elle se fait prendre par n'importe qui. Est-ce la vérité? On a besoin de la lumière sur ça. Quand on voit une femme qui fait dans le reggae, soit dans le rap, on dit non, c'est une fille qui se fait prendre par n'importe qui parce qu'elle passe des heures au studio. Je veux dire, c'est pas seulement dans le reggae, dans toutes les musiques, dans tous les registres. Dans tous les domaines dans toutes les activités qui sont peut-être courues par les hommes. La femme est marginalisée. Pour moi, je pense que la femme est marginalisée dans tous les domaines d'activité. Et pour moi, je pense que c'est un complexe. C'est un complexe et une réalité en même temps. En même temps, pourquoi? Parce que il y en a qui font face à ça, il y en a qui mènent leur carrière tranquillement, qui ne subissent pas forcément tous ces petits problèmes pendant leur carrière. Donc c'est un complexe, c'est une réalité en même temps. Donc je ne vais pas plaindre. Celles qui se méfient ou celles qui se lancent, parce que en même temps, s'il y a de la volonté,
les choses peuvent se faire. Bon, quand j'appelle en journée, tu me dis qu'il faut passer à 16h. Qu'est-ce qui se déroulait dans ce jour à cette heure-là? C'était l'enregistrement, c'était quoi? Oui, en journée, j'avais un programme plutôt externe. Moi, j'avais toujours un programme à la radio. Nous étions à une radio. Je vais passer le nom ici-là pour justement annoncer le 1er juillet qui arrive, qui est la journée internationale du reggae. Journée internationale du reggae. Ok, on prétend toujours organiser au même endroit? Si. On le fera sur le même site. Et avec plus, je pense, avec plus d'engouement cette fois. Bref historique de la journée mondiale du reggae. Bref historique, ça naît de quoi? J'ai dit ça naît. C'est à partir de quoi qu'on a décidé de mettre ce jour, journée mondiale du reggae? C'est par exemple le 11 c'est la journée internationale du reggae. Voilà, parce que c'est ce jour que le reggae est entré dans le patrimoine international. Reconnu par l'UNESCO. Voilà. Et ce jour, c'est toujours du free? Bien sûr. Parce que chaque artiste qui pourrait prester peut s'aventurer. Voilà. À venir chez vous. C'est ouvert, mais c'est la journée du reggae. Si tu fais du reggae, ouais, c'est ouvert. Essentiellement reggae. Ouais, c'est ouvert, c'est pour le reggae. Ok. La journée internationale du reggae. Justement. Voilà. C'est essentiellement à 100% reggae. Ok. Et maintenant, est-ce que là-bas on doit payer l'entrée comme c'était la fois passée? Bien sûr. Pourquoi? Parce qu'il faut en même temps. Pour valoriser cet art qui est le reggae, qui est la musique, qui n'est pas totalement commercial, mais pour encourager ces acteurs qui se sacrifient, qui mettent tout en jeu pour nous proposer un spectacle vraiment à la hauteur de la demande du public. Je pense que le public se doit d'encourager en apportant, une petite motivation, c'est naturel, donc c'est normal. Le studio de Route Radio est en collaboration avec quel autre studio? Parce qu'on dit on se partage du savoir dans chaque domaine. Voilà, et je suis partenaire avec Squadron, qui est le studio qui a produit Franco. Justement, ouais. Je suis partenaire avec MyTV, MyAfrica TV. Je suis partenaire avec ABK Radio. ABK Radio, je suis partenaire avec Rabi TV qui se trouve du côté de Babata. Nombreux sont les partenaires avec qui je travaille. Donc je ne vais pas citer ici, là, il y a Mboa TV, autant de partenaires avec qui je travaille, voilà. Donc c'est fou. Donc ça voudrait dire on ne peut que prier pour qu'il y ait encore plus de partenaires dans les jours à venir. Et ceux qui voudraient coller leur image, ou encore ceux qui voudront faire ensemble avec Rune Radio, vous n'avez qu'à contacter M. Charim. Charim, on retrouve Rune Radio où? Sur Facebook. Je pense que j'ai énuméré. Oui, justement. Et quand il dit qu'on retrouve ça où, c'est pourquoi on réitère encore afin que ceux qui viennent de se connecter. Réseaux sociaux autant pour moi, que ce soit Facebook, que ce soit Instagram, que ce soit YouTube ou WhatsApp. Bref, la reprise, c'est pour avoir l'autographe. Le forum, par exemple, le numéro, je peux donner le numéro du forum. Justement. Le 695 32 24 22. Ça, c'est le numéro du forum sur WhatsApp. 695 32 24 22. Il y a ce même numéro, vous pouvez me contacter directement. Route Radio s'écrit comment? C'est ça qui est question. Route Radio, c'est. C'est tout route, c'est ça qu'il s'agit. Route, parce route parce c'est R, 2 O, T, S. Voilà. R2OTS, voilà. Ça signifie racine. Racine en anglais. Donc voilà, justement. Parce que l'important, c'est de s'enraciner pour pouvoir mieux émettre la dimension dans toutes les dimensions. Est-ce qu'on passe souvent des nuits dans ce studio à travailler? Est-ce qu'on a eu à veiller plusieurs fois pour. Bien sûr. C'est le boulot même en studio est mieux dans la nuit, parce que c'est plus calme, c'est plus posé, l'esprit est disposé. Voilà. Je pense que c'est mieux même de travailler en studio dans la nuit. Est-ce que tu as eu une fois la plainte venant des voisins, du bruit, des sons? Je me suis battu plutôt à insonoriser. Insonoriser le studio pour ne pas nuire aux voisins. Voilà, justement, je me suis battu à insonoriser le studio. Donc,
pour le moment, on garde 70% du son à l'intérieur. Bon, une chanson du début jusqu'à la fin, ça va prendre combien de temps? Ça dépend, surtout que les chansons ne demandent pas la même énergie. Bon, la chanson la plus courte peut prendre combien de temps? Je ne peux pas l'évaluer directement, pourquoi? Parce que c'est sur le terrain qu'on juge le garçon, en même temps le boulot qu'il y a à faire. Ok. Depuis que le studio existe, quelle est la chanson la plus qui a été rapidement faite? Bon voilà, je veux dire, c'était pas une chanson, c'était une interlude, parce qu'elle n'était pas très longue. Elle faisait 1 minute 15. Voilà, c'est une de mes chansons à moi-même. Donc ça m'a pris pendant les 1 heure à la réaliser complètement. Voilà les questions de savoir si tu as une influence quand il s'agit d'organiser les événements culturels chez toi. Dans ta communauté. Oui, mais comme je disais tantôt, j'ai même été contacté par un membre influent du gouvernement qui justement fait un projet qui concernait justement plusieurs communautés de mon département. Le département, ouais. Voilà, justement. Donc, j'ai déjà participé à pas mal de projets communautaires. Ce chapeau-là, nous voyons toujours chez vous, et rouge, et jaune, et vert, c'est quoi? Ça signifie quoi? Ce sont les couleurs de la vie. Le vert, ça symbolise la nature. Le jaune, c'est la lumière. Personne ne l'ignore. Le rouge, c'est l'humanité, c'est la vie. Justement. Est-ce que être Rastafari, il faudrait toujours avoir les Rasta? Parce que c'est Charlie, maintenant avec les Rasta. Derrière cela, il a coupé les Rasta, mais il reste toujours dans le même système. Rastafari, c'est une religion à part, monsieur. Ce n'est pas. Rastafari ne se définit pas par une coiffure ou par une forme physique. Je ne sais pas. Donc c'est une religion à part entière. Pour être un Rasta, il faut avoir fait le vœu de Nazaréen, avoir intégré la communauté rastafarienne. Voilà, justement, c'est une religion. Mais je me déplace par exemple ici, je me déplace d'ici pour le Tchad. Comment on fait pour reconnaître un Rasta, même sans le chapeau, le vœu généralement, Rastafari, on le reconnaît aussi par rapport à son attitude, parce que Rastafari est dans l'œuvre de l'esprit, la tempérance, le pardon, le partage. Voilà. Donc vous allez le reconnaître dans son attitude, dans ses habitudes. C'est comme ça. Vous n'avez pas un langage commun à vous? C'est donc ça que je parle. Je parle de l'œuvre de l'esprit dans la vie de Rastafari, qui est la tempérance, qui est le partage, qui est l'amour du prochain, qui est la maîtrise. Voilà, donc justement, ce sont des petits signes comme ça pour pouvoir apprécier chez un Rastafari. Donc ça démarche, quoi. Est-ce qu'on va dire que le hip-hop, c'est une discipline du reggae qui est fait un peu dans les hommes par rapport au Rasta, parce que je m'explique. Même dans le reggae, il y a la dancehall par exemple, qui est un peu plus énergétique, mais ça ne veut pas dire que c'est une musique de désordre. Voilà, juste qu'il y a plus d'énergie, mais ce sont des chansons qui défendent des causes, ce sont des chansons qui ont des messages assez pertinents, quoi. Ce sont des artistes qui écrivent des textes assez poignants pour défendre vraiment justement des causes aussi réelles, quoi, que c'est celle qu'on vit, quoi, dans nos différents quartiers ou pays, ça dépend pas. Voilà, c'est ça qui s'agit. Justement, est-ce que vous allez le valoriser à votre juste titre, par exemple au Cameroun? Cameroun, le rap, comme le reggae, reste une musique marginalisée. Ouais, qu'est-ce que vous combattue faites? À la limite. Combattue à la limite, pourquoi? Parce que c'est une musique qui est réelle, c'est une musique qui défend réellement et qui parle réellement des problèmes. On retrouve ce côté des artistes engagés. Les artistes engagés. Les miroirs de la société. Voilà, justement, voilà, les reflets.
reflet de la société qui, par leur texte et par leur musique, arrivent à véhiculer des messages vraiment qui, très poignants. Voilà, très poignants, qui viennent dénoncer, comme ça, dénoncer les abus. Les abus qui confinent parfois le gouvernement et pourquoi. Du coup, nous sommes combattus. Nous sommes combattus. Nos chansons, généralement, ne passent pas dans des médias. Ils sont taxés. Les chansons pas assez commerciales, mais nous savons justement pourquoi. Parce que les messages que ces chansons véhiculent sont des messages qui sont pas généralement la bienvenue dans nos médias. Dans certains de nos médias, parce qu'ils voient les chaînes qui diffusent le reggae. Ouais, mais à combien de à quel pourcentage, à quel pourcentage, qui passe, à quel pourcentage par rapport aux musiques qui ne véhiculent aucun message, c'est ça qu'il s'agit. À quel pourcentage? Qu'est-ce que vous faites à votre niveau pour vous faire respecter? Maintenant, comme je t'ai dit, nous avons décidé de prendre les choses en main. Ça veut dire quoi? On va créer notre propre média pour pouvoir justement valoriser tous les produits que nous avons, voilà, justement, et pour valoriser tous ces artistes engagés qui ont des difficultés à passer dans d'autres médias. Donc, ça veut dire qu'il y aura une chaîne essentiellement pour reggae? Il y a une chaîne vraie, une chaîne vraiment qui représente ce côté réel de l'artiste qui vit dans l'ombre et qui a besoin de lumière comme tout artiste. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Quelles sont vos relations avec les autres registres, par exemple Makossa, Ndombolo, Asiko? Est-ce que vous entendez, ça passe? Vous dites artistes ensemble, vous mangez dans la même assiette? Et voilà, quand je parlais de collaboration tout à l'heure, je ne me limitais pas seulement au rap ou au reggae. Donc la musique, elle est universelle. Donc ce sont des chants, des musiques qui peuvent se rencontrer et faire des fusions vraiment très intéressantes. Très intéressantes. Des cocktails musicaux vraiment très intéressants. Super. Le dernier artiste qui est passé par le studio de Roux Radio, on a pris combien de temps pour finir son produit? Parce que j'insiste là-dessus, c'est de quoi il est question. C'est ça que je te dis tantôt, que ça dépend du projet qu'on a sur la main. Je parle du concret, je suis en train de parler concret. On a pris combien de jours pour finir le dernier projet? Le dernier projet, par exemple, qui est le projet que je suis en train d'écouter en fonctionnement, qui n'est pas complètement fini. On a pris particulièrement une journée pour pouvoir faire la musique, enregistrer l'artiste. Donc là, j'y suis sur le mixage. Bon, un projet, ça peut arriver que ça te prend des semaines, des jours ou des heures, ça dépend. Le projet qui prend des semaines, à long terme, on ne sait pas que ça prend des semaines, je pense. Justement, parce que après, ça dépend aussi des. Comment je vais dire ça? Des clauses avec l'artiste? Non, pas forcément des clauses, parce que avant même de commencer, les clauses sont calées. Je parlais parfois de l'ampleur que le projet peut prendre pendant qu'il est réalisé. Vous voyez, parce qu'après, on peut partir sur une petite inspiration et puis ça prend de l'ampleur. On a besoin, on trouve que non, ici, il faut absolument appeler un guitariste, il faut appeler un bassiste, il faut. Et ça fait que le projet, maintenant, il commence à prendre de l'ampleur et puis voilà, il demande un peu plus de temps, justement, pour pouvoir contacter tous ces acteurs-là qui viendront justement collaborer pour que le projet lui-même soit vraiment, comment je veux dire ça, un arc-en-ciel de mélodie. Voilà, c'est ça qui s'est. Donc ça dépend de l'ampleur. Maintenant, pour enregistrer une chanson ici, il faut combien? Si je suis artiste en herbe, je me suis battu, j'ai trouvé un truc, il faut combien pour... Bon, même jusqu'à là, ça demande toujours une certaine expertise. Parce que pour moi, la chanson elle-même n'a pas de prix. Elle n'a pas de prix, ça dépend sur de l'ampleur du projet. C'est-à-dire, c'est l'artiste qui décide de la dimension qu'il veut donner à sa chanson. Donc du coup, je ne peux pas définir un prix, mais je peux faire part des sessions. Parce que généralement, nous fonctionnons en session. En session, nous définissons les séances de travail en session. Session d'une heure, session de deux heures, session de trois heures. Une session, par exemple, d'une heure peut revenir à tout patron pour. Au vu du Charim, est-ce qu'on peut remercier des personnes qui, malgré les combats qui sont menés contre Rengeman et tout, qui, malgré faisant de la partie gouvernante, parviennent à apprécier votre travail, votre boulot? Je pense que jusqu'ici, là, on n'a pas eu la chance d'avoir vraiment un soutien qui vient
un soutien gouvernemental, si je peux me permettre. On n'a pas pu jusqu'ici, même que ce soit du côté de l'opposition, parce que nous, jusqu'à présent, nous nous démarquons à nos propres frais, nous sommes carrément indépendants. Donc, nous sommes à la recherche, comme j'ai dit tantôt, des partenaires, des sponsors. Nous sommes ouverts, c'est Radio Route, c'est Radio Free, c'est Père, c'est Free. Donc, pour tous ceux qui aimeraient nous accompagner dans nos différentes activités, vous êtes la bienvenue. Et c'est Free, quoi. C'est Free. Qu'est-ce qu'on dit pour sortir? Bon, pour sortir, je tiens à remercier MyAfrica. Là, il faut tenir toi-même. Voilà. Tu regardes la caméra. Je tiens à remercier MyAfrica TV pour cette rencontre. Big up au réalisateur H pour son concept Laurent K. Et big up encore à tous les téléspectateurs de MyAfrica TV. Je vous invite comme ça à toujours rester connectés. À remercier tous les partenaires, tous ceux qui m'accompagnent dans mes différentes initiatives et activités. Et Radio Route, c'est la radio free, c'est la radio du futur, la radio du temps, la radio de maintenant, du présent. Et j'invite comme ça tous les artistes en est, je précise encore, tous les artistes en est, à se rapprocher de nous pour une éventuelle production ou une éventuelle promotion. Donc voilà, nous sommes ouverts, que ce soit dans le domaine infographique, audiovisuel ou sonorifique. Nous sommes ouverts et nous invitons comme ça tous les artistes ou tous ceux qui aimeraient autant pour moi avoir un soutien de la part de Radio Route. Nous sommes ouverts, nous répondons au numéro de téléphone 695 32 24 22 et 6-77-77-41-14. Radio Route est située à Bipanda. Bipanda Tonnerre, Carrefour Tonnerre. Dès que vous êtes à Carrefour Tonnerre, vous nous contactez et nous serons ravis de vous recevoir dans nos locaux. Yaman. Alors, mesdames et messieurs, merci grandement pour votre... je vous l'ai dit. Mesdames et messieurs, merci grandement pour votre fidélité. Nous étions avec Charim de la Radio Route. Merci aussi qu'il ait accepté de nous accueillir dans ce magnifique studio afin que nous parcourions naturellement son parcours et que nous sachions également des actualités de l'artiste en question et du studio, voire même de la radio. À très bientôt pour une autre édition de votre émission Rencard sur MyAfrica TV.